C'est une église millénaire classée monument historique. La cathédrale de Maguelone est une véritable forteresse. D'ailleurs, certains de ses murs font jusqu'à 7 mètres d'épaisseur. Plusieurs souverains pontifes se sont abrités ici. Un lieu chargé d'histoire, aujourd'hui mis en valeur par les compagnons de Maguelone. Avant de léguer le domaine à l'évêché de Montpellier, la dernière propriétaire des lieux, Eugénie Fabrège, s'est assurée qu'une œuvre sociale y serait implantée. Les compagnons de Maguelone se sont installés sur le site il y a 50 ans. Au cœur des missions de l'association, l'insertion de personnes en situation de handicap. Ah, mais moi je suis bien, je me régale, ici je me régale. C'est vrai, quand j'arrive d'en face, quand je vois une cathédrale, là j'aime bien quoi. La viticulture fait partie des activités majeures de la structure. Les vignes occupent une vingtaine d'hectares, soit deux tiers de l'île. Une quinzaine de compagnons sont affectés à cette tâche. Les compagnons, c'est les gens qui partagent le pain. Donc on partage tout le travail, mais aussi toutes les difficultés, les joies, les peines. Enfin, il y a toute la vie de l'institution. Et il y a vraiment une unité et chaque personne qui arrive ici devient le compagnon. Où que l'on se trouve sur l'île, la cathédrale médiévale Saint-Pierre et Paul n'est jamais loin. Son architecture romane est sobre et massive. Pendant 1000 ans, entre le 6e et le 16e siècle, ce fut le siège d'un évêché puissant et par conséquent, un lieu de sépulture très prisé. Les aristocrates voulaient se faire enterrer sur l'île de Maguelone, donc ils voulaient se faire enterrer derrière les murs le plus près possible de l'autel. Et donc ils étaient le plus près possible de la transcendance auquel ils croyaient. Occupée, assiégée et même partiellement détruite, la cathédrale a traversé les siècles malgré les agressions de l'homme. Bien que religieux, l'édifice s'apparente à un véritable vaisseau de guerre. Il y avait autour de la cathédrale deux rangs de murailles, il y avait un donjon, il y avait quatre tours qui ceinturaient la cathédrale elle-même. Les évêques entretenaient des hommes d'armes et il y avait même des machines de jet sur le toit. Début 18e, les ruines de Maguelone ont permis d'édifier en partie le canal des étangs. Encore aujourd'hui, l'île, devenue presqu'île, n'a pas fini de se reconstruire. Et sur cette presqu'île, il y a aussi la porte de Maguelone, devant laquelle j'ai le plaisir de retrouver Maguelone Argiris. Bonjour. Bonjour. Vous supervisez la communication des compagnons de Maguelone. Alors ici, il y a bien sûr la cathédrale dont on a parlé, mais il y a aussi de nombreux trésors. C'est un véritable millefeuille historique. Oui, là nous sommes devant la porte de Maguelone qui a été construite par Monsieur Fabrège, un des propriétaires de l'île au XVIIIe siècle. Les vignes, il y en a maintenant, mais il y en avait aussi il y a 2000 ans. Il y a régulièrement des fouilles archéologiques et qui ont prouvé qu'il y avait de la vigne il y a 2000 ans. Comment on accède à ce site ? Alors, nous sommes une presqu'île. Avant, c'était une île. Par Villeneuve-les-Maguelones, il y a une passerelle piétonne où on peut accéder en vélo. Et en voiture, c'est par Palavas. On peut surtout admirer cette vue à 360 degrés où on a la mer, les étangs, Palavas, le pic Saint-Loup. Et par beau temps, on peut même voir le Canigou. Et on voit régulièrement Sète et le massif de la Gardiole. Merci beaucoup. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet des compagnons de Maguelone. On y apprend notamment que nous avons à notre disposition un audio guide pour connaître tous les secrets de la presqu'île.